ما يهمك ابدا مهما الزمان يطول، راح يجي بالبكاء ويباري لك على الصفوف. يا ويلي 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 يا ليلي، allô. Oui maman. Allez-y ma petite dame. Oh mignonne comme tout hein, celle-ci. Ouais, je préfère les plus grosses, moi j'aime bien quand ça claque. Doucement, doucement. Coupez le scooter s'il vous plaît. Mais oui, je sais, 10 kilos, extra fil, meilleure qualité, je sais. Ok. Bon, maman, faut que je laisse la police, là. Papier du scooter. Putain, monsieur, j'ai oublié ma sacoche chez moi, là. Il y a moins que je voulais chercher, là, deux petites secondes, là. Ah, tu te fous de moi, toi, c'est ça? Tu te fous de moi? Deux délices. Éteignez votre moteur, s'il vous plaît. Police nationale, contrôle d'identité et des papiers du véhicule, s'il vous plaît. Ouais. Voilà. Monsieur Znaïdia? Ouais, c'est ça, ouais. Très bien. Votre date de naissance? 25-07-84. Vous avez quelque chose à déclarer? Non, j'ai rien. Sortez du véhicule. Ouvrez le coffre, s'il vous plaît. Y a pas d'assurance non plus, c'est en option. Ouais, mais ça, c'est un jaloux qui a dû retirer la vignette, là. Je suppose que c'est resté dans ta sacoche aussi, c'est ça? Bah ouais, peut-être que c'est ça. Hein. Ah ouais, c'est ça, ouais, tu te fous de ma gueule, hein. Allez, donne-moi ton sac, là, tout de suite. Il y a un peu de bordel dans ce coffre, hein. Ah bah, c'est vos problèmes. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac-là? Il y a un bleu de travail. Et une corde. Vous faites quoi avec ça? Bah je travaille. Et ça? Ça sert à quoi? Bah ça s'appelle une clé à bolette. Ça sert à dévisser des boulons. Et ça? Bah ça c'est Pikachu. Regardez un peu la télé hein. Je t'en foutrais de Pikachu. Ouais ouais. Tu bouges pas. Ah ouais, y a tout sorti ton collègue. Tu bouges pas, je t'ai dit, tu vas le goûter, moi je t'ai dit, le bâton là. Lève-le, lève-le. Allez, debout. Lève-toi, lève-toi. Debout. Lève-toi. Debout. Lève-toi. Lève-toi. Les collègues, ils arrivent. De quoi les collègues? Les collègues. Quels collègues? Les collègues, ils arrivent. Voilà, putain, lâche-moi là. Voilà. C'est quoi ça? Go. On y va. Bouge pas, putain. Putain, c'est d'unité ça. Ils sont venus vite fait, hein. Putain. Regarde tout ce qu'il y a là. On n'est pas venu chômer aujourd'hui, hein. Arrête, Michel, c'est une journée comme d'hab. Mais t'es à moitié fou, quoi. Ouvre les yeux. Mais est-ce que t'es conscient? T'as vu tout ce qu'il y avait dans la voiture du Bico ou quoi? Sérieusement? Oh, les gars. Salut. Bien. Benoît, comment tu vas? Très bien, félicitations. Merci. Un loustic en moins. Et en plus, on se sent plus en sécurité dans les rues de Nantes. C'est surtout le chef qui va être content, je pense. Et la prime qui va avec. Exactement. Je te le fais pas dire. Bon, allez. Bonne journée. Bonne journée, à plus. Bon courage, Benoît. Il m'a porté chance ce matin. Allez, je te laisse, moi j'ai un bronzé à aller interroger. A tout à l'heure. À tout à l'heure. Et moi je dois aller récupérer le barbu dans les geôles. Eh, pourquoi t'es là toi? Oh, je te parle, pourquoi t'es là? Tu sais pourquoi je suis là moi? Je me suis fait courser en bécane dans mon quartier. Mais un truc de ouf, hein, y avait la BAC, la Mondéo, la police, tout ce que tu veux, je crois même qu'il y avait l'armée. Mais j'étais en train de les tuer, je m'amusais avec eux.
des roues et de ça. Je les ai tués pendant au moins 10 km. Ils n'arrivaient pas à m'attraper de ça. Après, d'un coup, comme ça, je vois une vieille sur un rond-point. Je dis, qu'est-ce qu'elle fait là? J'essaie de... Je retrograde et de ça, j'essaie de l'esquiver. Comme par hasard, je dérape. Je me nique par terre. J'essaie de me relever pour me barrer en courant. Je vois quoi? Je vois un keuf derrière moi, il m'attrape. Si j'aurais su, je crois que cette vieille, je l'aurais tamponné. Hein. Monsieur, toi, viens là. Qui, moi? Pas toi, pas de mytho. Dormi, viens là. Pourquoi pas de mytho? Il s'est fait attraper entre nous et des palmitos. Allez, lève-toi, pas de ça. Ouais, mais c'était avant ça. Allez, nouveau, du nerf. Je ferme derrière toi. Hein. D'accord. Hé, hey, et je sors quand, moi, en fait? Quand tu seras blanc. Putain, pourquoi j'ai pris ce paquet de palmitos? Reste tranquille. Ouais, ouais, ouais. Allez, allez, avance. Avance. Et de ma mère, monsieur. Allez, avance. Sur la tête de ma mère, monsieur. J'ai rien fait, je vous jure. Ah, voilà, c'est pas c'est moi. C'est ça. Pas, monsieur, j'ai rien fait. Ouais. J'ai rien fait, monsieur. Oh, ils sont pesants. Qu'est-ce qui se passe? Il a rien fait. Ils ont jamais rien fait. Bah oui, vous voulez, j'ai rien fait. Je vois le bâton, là. Tu veux te prendre? Allez, avance. Allez, allez, avance. Laisse-moi tranquille. Il veut pas que mon père sache. Je vais me tuer, mon père. Monsieur, j'ai rien fait. Il va me tuer, mon père. Il va me tuer. Allez, entre. Allez, tu t'assois, tu bouges pas. C'est bon, de qui tu bouges pas. Doucement, là. Eh ben, vous êtes pas là, vous. Tu sais que t'es mal barré. Pourquoi? Mais tu sais pas que t'es mal barré. Alors tu vas me dire très franchement, pour qui tu travailles? À qui est destinée la marchandise? Et depuis combien de temps tu as ce business? Putain, mais de quel business vous me parlez, là? On a trouvé Dilok. Dilok de cannabis dans ton coffre de ta voiture. Eh ben, c'est ça, ouais. Ah ouais. On sait pas ce qu'on raconte! Bah ouais, mais c'est ça. Ah bon? Ils sont arrivés dans ton camp par enjattement! Mais de quoi vous mais parlez? Mais tu nous prends pour débiles ou quoi? Bah, Michel, ça va là, ouais, je prends la suite là! Oh! C'est quoi ce bordel? On vous entend là-bas là? Commissaire Kowalski? Bon, c'est Kowalski, pas Kowalski ou je sais pas quoi! Putain, c'est polonais, ça fait 10 ans qu'on traîne ça, tu te rappelles pas? Michel, tu vas où? Ton putain de tonfa! Putain! C'est vraiment le cirque ici hein! Bon, tu vas fermer ta gueule, petit! On va nous apprendre notre métier alors! Bon, écoute! Oh, sale de pied, ça me rappelle. Bah écoute, si tu coopères, j'irai voir le juge, je parle là pour toi, d'accord? Mais pourquoi vous parlez de juge là ou de coopération? Mais vous êtes malade, moi je suis innocent, moi. Écoute, mon collègue est inséré avec 10 kilos de shit, tu sais ce que ça veut dire? Ouais, je sais juste que c'est 10 kilos de conneries que vous me dites là. Vous avez été voir ce qu'il y avait dedans? Écoute, hein? C'est de la drogue, non? De la drogue? Oui. Ouais, bah c'est de la pâte de date, et ça sert à faire des gâteaux arabes. Alors, pour me libérer, allez chercher le sac, et on va régler ce problème tout de suite. La pâte de date? Ouais, et moi je suis Maïté, j'ai une tête de con, c'est ça? Tu ouais. Te fous de ma gueule? Bah allez vérifier là. Michel! De Maïté. Michel! Bordel Michel, t'es où? Vous m'avez demandé? La drogue elle est où Michel? Ramène-moi en un. De suite. De suite. La pâte de date, mais putain, ça serait vraiment le fiasco. C'est tout le temps comme ça ici là? Vous gueulez toujours? Viens-moi ça, viens-moi ça! C'est bon, hein? Michel. Comment ça, Michel? C'est quoi, bordel? Alors, on a l'air con, hein? C'est quoi, Michel? On dirait de la pâte de date. Y'a une pâte de date? Oui, bordel, ça foutu la merde! Les merdes, le préfet de Roger Félicité! Ça foutu la merde dans la ville pour faire plus de pâte de date de merde! Les gars, on se prend trop de balles! Allez, libérez-moi. Allez. Enlevez-moi les deux. Je peux voir le brigadier Michel, s'il vous plaît? Pourquoi? C'est pour lui remettre un colis.
Là, qu'est-ce que tu fais là? Rien, Alex, qu'est-ce qui se passe là? Oh putain, les gars, du renfort! Mais non, mais pas ça! Qu'est-ce qui se passe là? Hein, ah, dis-moi, dis-moi! Qu'est-ce que t'as à pour toi? Mais qu'est-ce qui se passe? J'espère que t'as rien, hein? Mais j'ai rien! Ouais, j'espère bien! Mais j'ai rien! Commissaire Kowalski! Kowalski! Il y a une putain de bombe dans son sac! Mais non, mais c'est pas vrai, y'a pas de bombe! Bombe? Mais non, mais y'a pas de bombe, c'est des gâteaux! Allez, où ta putain de bombe? Ouvre le putain de sac! Il est là! Ouvre le putain de sac! Non! Ouvre le putain de sac, sinon je te mets dans ta tête! Mais mon chien! Je m'en prends de ton putain de chien, ouvre! D'accord, ok! C'est qui, il est un chien, lui, en fait? Doucement, Benoît, doucement! Et toi? Attends, c'est une bombe! Une bombe? C'est des gâteaux, en fait. Je peux me relever? C'est des gâteaux, les gars! Vas-y, je relève tout. Putain, les gâteaux. Ils sont bons? Ça va, Miguel? Ça sort.